Au Palais Royal, Dorothée et ses amis tentent désespérément d'échapper à Gingembre et à Mombi. Mais sans raison apparente, le lit volant qu'ils ont construit refuse de s'envoler. Pendant ce temps, les citoyens de la cité d'Émeraude attendent le dénouement avec anxiété. Ils en ont assez de Mombi et de Gingembre. Ils veulent que le roi Épouvantail remonte sur son trône pour être à nouveau heureux. Dans le bon vieux temps, j'aimais mon travail de gardien royal attitré au pays d'Oz. Je pouvais me promener et me sentir vraiment important. Mais maintenant, Gingembre est tellement tyrannique que c'est devenu insupportable. Oh, Épouvantail, il faut vous gagner. Je me demande si Gingembre les a retrouvés. J'espère que non, je suis épuisée. C'est fatigant de réprimer une rébellion. Et Gingembre, on veut faire une fiesta. Ah! Oh! Chut! Lamentez-vous en silence, je crois que je les ai trouvés. Hein? J'ai entendu des voix venant de derrière cette porte. Ce sont deux officiers! Ce qu'il faut faire, c'est entrer là-dedans et les achever sans pitié! Oui, bien sûr, mais ça risque d'être encore bien compliqué. Pourquoi est-ce qu'on ne les laisserait pas là? Les laisser là? Oui. Je me demande ce qu'elles attendent pour nous attaquer. Elles doivent avoir découvert qu'on est ici. Moi! Ce qui m'inquiète, c'est que le lit ne s'envole pas. Je l'ai aspergé de poudre pourtant. Oui, et ça a marché pour Cheval et pour moi, ça nous a donné la vie. Alors pourquoi ça marche pas pour lui? Peut-être que la poudre ne fait plus effet. Oh, j'espère que non. Pour quelle autre raison ça ne marcherait pas? Eh, je ne sais pas. C'est curieux, il ne comprend peut-être pas ce que nous voulons lui faire faire. Chut, j'entends des voix. J'ai l'impression qu'elles sont juste derrière la porte. Oh, ne laissez pas faire de la tarte à la citrouille avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Peut-être que j'en ai pas mis assez. Il est énorme. Ça vaut la peine d'en rajouter. Rien à faire. Je ne peux pas comprendre ce qu'elles disent. Mais on dirait qu'elles ne sont pas très pressées de nous attaquer, en tout cas. Bon, tant mieux. On a suffisamment de problèmes comme ça. S'il fallait en plus qu'elles entrent ici, qu'est-ce que ça nous donnerait de les prendre d'assaut et de répandre de la paille et des graines de citrouille dans la grande salle? Qu'ils restent là-dedans, c'est aussi efficace qu'une prison. Oui, c'est vrai. Bien parlé, Gingembre. Je me reposerai bien. Mais il faut que je rentre chez moi. Détendez-vous, les filles, vous vous êtes beaucoup démenées aujourd'hui. Je suis certaine qu'ils ne peuvent absolument pas sortir de là, hein. Ils peuvent sortir par la porte. Mais ils savent ce qui les attend de l'autre côté. Faut pas qu'elle les laisse là-dedans. C'est pas toujours la poudre qui donne la vie. J'en ai besoin pour qu'on guérisse Rose. Gingembre, vite! Regarde Mombi. Elle recommence à avoir son air inquiétant. Elle a pris son air méchant, on dirait. Est-ce qu'on la taquine un peu? Mombi! Est-ce que tu as besoin de prendre une potion pour sourire? Vous êtes des imbéciles, toutes vous amusez et ricaner quand toutes les richesses d'Oz pourraient vous appartenir. Cervelle d'oiseau! Est-ce qu'il ne vous est jamais venu à l'idée que vous retenez prisonnier d'un des plus puissants rois du pays d'Oz, hein? Débarrassez-vous de bûcherons et d'épouvantails, et tout Oz vous appartiendra! Tout le pays d'Oz? Tu vois grand, on dirait! Eh bien, pourquoi pas? Avec votre armée et ma magie, il n'y a personne qui puisse nous arrêter! Ça m'a l'air un peu risqué, non? Ça l'est sans doute, mais ça vaut la peine d'essayer. La mine de diamant des Winkies nous appartiendrait. C'est vrai, qui voudrait des émeraudes quand on peut avoir des diamants? On pourrait en garder quelques-uns comme presse-papier. Voilà l'esprit qu'il faut avoir. Pourquoi se contenter de la moitié quand on peut tout posséder? Et vous pouvez tout avoir à une condition. À une condition? Laquelle? La victoire dépendra de ma magie, d'une formule clé en particulier. Mais il me manque un ingrédient. Grâce à lui, on sera invincible, mais c'est Tip qui l'a gardé. Oh, c'est Tip qui l'a gardé, tu dis?
Alors il faut qu'on le sorte de là. D'accord. Allons le chercher. Oh, c'est drôle, je non, elles vont entrer pour nous attraper. Oh, des diamants. Rubis, je vais surveiller la porte, toi va avertir les autres. Pourtant le lit n'est pas boulonné au plancher, je n'y comprends rien du tout. Et tout fonctionne normalement du côté des ailes. Il faut qu'il y ait une raison bien simple pour qu'il ne puisse pas s'envoler. Oh, gingembre, hein, j'arrive tout de suite. Hé, tout le monde, continuez de travailler sur le lit volant. Je vais aller déjà qu'à garder gingembre à distance. Tu veux dire qu'elle nous attaque? J'en ai bien peur. Attends, épouvantail, on a besoin de toi. Je reviendrai aussitôt que j'aurai montré à Jacques quoi faire. J'ai déjà une petite idée. Bon, d'accord, mais dépêche-toi. On ferait mieux de résoudre vite le problème du lit, ce serait préférable. Tu as raison, bûcheron. Il faut qu'on arrive à s'envoler. Écoute, Orignal, peut-être que tu ne comprends pas notre situation. Ça va mal. Il faut qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Elles sont juste de l'autre côté de la porte, petit cheval, je les entends parler, elles se préparent à nous attaquer. Ne t'inquiète pas, on en a pour 2 minutes. D'accord, madame, préparez-vous à l'attaque. N'oubliez pas ces types que je veux. Vous pouvez faire ce que vous voulez des autres. Elle veut type, faites ce que vous voulez des autres. En avant. Qu'est-ce qu'elle croit, on est sourde ou quoi? Quinella. Oui, chef. C'est elle qui se tape tout le sale travail. Jacques, épouvantail, fais quelque chose, elles vont entrer. Hé, hey, ne t'inquiète pas, j'ai déjà un plan. Ah oui? Quoi? Je vais me servir d'un des tours du magicien. Tu vois ces tuyaux? Il s'en servait pour que sa voix ait l'air forte et fasse peur dans la salle du trône. On va faire la même chose. Allez, les dames, un peu d'énergie. L'orignal, moi aussi, je l'ai vu. Il a remué. C'est vrai? Oui. Enfin, je pense qu'il a remué. Oh, regardez, ses yeux viennent de cligner. C'est vrai, moi aussi, je les ai vus cette fois-ci. Il cligne des yeux. C'est vrai, je le vois bien. C'est comme si... Qu'est-ce que tu essayes de nous dire, toi? Oh, oh, il lève les yeux vers le haut. Il doit vouloir parler de quelque chose au-dessus de lui. Mais quoi? Il n'y a rien d'autre au-dessus de lui que le plafond. Oh, ils l'ont à peine réparé depuis que le magicien s'est envolé par là en montgolfière. Est-ce que tu as peur que le toit te tombe sur la tête, Orignal? Bon, il ne peut pas parler, mais il nous comprend au moins. Hé, hey, je sais ce qu'il y a. Le plafond va te déranger, tu ne pourras pas sortir par là. Voilà, on ferait mieux de s'en occuper tout de suite. Laissez-moi faire, je peux arranger ça en 2 temps 3 mouvements. Je vais simplement grimper et enlever la toiture. Alors, est-ce que ça avance ici? Jacques ne pourra pas les retenir éternellement. Ça ne sera pas long. Papa! Ils sont là-haut, vite! Oh,
sent drôlement sournois. Ah, tu m'as volé ma poudre magique, mais tu vas me le payer cher, tu... Oh, c'est drôlement fantastique, regardez. Bon, et où est-ce qu'on devrait aller comme ça? Devine, droit au sud pour demander l'aide de Glinda. Oh, c'est une merveilleuse idée ça. Je suis sûr qu'elle va nous aider. Allons n'importe où pourvu que personne ne mange de la tarte à la citrouille. On va aller de Glinda, la quatrième région. J'ai hâte de la rencontrer. Mombi est la seule sorcière que je connaisse et je dirais pas qu'elle est bonne. Eh bien, Glinda est aussi bonne qu'on le dit, elle. C'est elle qui m'a montré comment faire pour retourner au Kansas. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse nous aider. Ça va être extrêmement difficile pour elle. Dis donc, est-ce que quelqu'un sait si c'est encore loin le palais de Glinda? Est-ce qu'on va rester longtemps en l'air? Je ne crois pas, type. Le pays d'Oz n'est pas si grand que ça. Ce sont tous ces accidents géographiques que tu rencontres sur Terre qui t'empêchent d'aller plus vite. Oh, ici, en haut, on devrait naviguer sans problème. Alors détends-toi et profite-en. Très bien parlé. D'accord, tu gagnes la première manche, mais je t'aurai, type, toi et ma poudre magique, tu ne perds rien pour attendre. Des promesses, quand est-ce que cette Chippy va faire quelque chose? Si elle ne fait rien, Gingembre va certainement agir, elle. Je vous ai entendu. Je me demande si je pourrais faire quelque chose. Ils ne se sont pas encore échappés, notez bien ce que je vous dis. En tout cas, elle a une qualité, elle n'abandonne jamais. Voyons voir si elle réussira mieux cette fois-ci. Mesdames, je ne suis peut-être pas la plus intelligente, mais comment Mamie peut arrêter un lit volant qui est si loin dans le ciel? Je ne sais pas. Avant, je m'aimais bien flâner, mais depuis quelque temps... Je comprends ce que tu veux dire. C'est à cause de toutes ces querelles, c'est inquiétant. Je pourrais me transformer en oiseau et les attaquer. Non, j'ai besoin d'une formule plus puissante, quelque chose qui les attrapera tous en même temps. Je pourrais peut-être me changer en abeille pour les suivre et puis revenir avertir Gingembre. Non, ça prendrait trop de temps. Je vais m'en tenir à la formule pour dormir, on ne sait jamais. On peut voir presque tout le pays d'Oz de là-haut. Ah oui? Épouvantable, bûcheron, regardez, regardez juste au-dessus de nous. Oh, le royaume du peuple de porcelaine. Des gens en porcelaine? Oui, ils habitent dans ces cuvettes. Il existe un petit royaume à l'intérieur de chacune d'elles. On en a déjà visité un, mais on a dû partir, on les rendait trop nerveux. Oh, dommage qu'on n'ait pas le temps de s'arrêter. Lit volant, endors-toi, dis bonsoir et baille très fort, pousse un gros soupir et tombe du ciel d'être la première. Je ne sais pas si cette formule marche pour le lit, mais ça agit drôlement sur moi. J'essaie de créer une potion magique puissante. Si vous ne pouvez pas allouer à mes efforts tout le respect auquel ils ont droit, eh bien, je vous donne le choix. Taisez-vous, sortez d'ici. J'ai oublié que ça aurait cet effet, mais c'est aussi bien. Dors, lit, dors, dors profondément, longtemps, ferme tes yeux, ta tête est lourde, sois un bon petit lit endormi. Voyons, ah oui, endors-toi, ne continue pas ta route, ferme tes yeux et arrête ton vol, tu ne peux pas résister à la volonté de Mombi, dors! Fatiguée, Dorothée? Oh, je te comprends, tu sais, ça a été une journée drôlement remplie. Ce n'est pas ça, les gens s'endorment chaque fois qu'ils sont près d'un lit. Je ne peux pas garder les yeux ouverts.
Dors ma Dorothée là-haut dans le ciel. Quand le vent soufflera, le lit te percera. Et quand je dirai dors, le lit tombera. Et par terre seront Dorothée et ses amis. T'as vu, Dorothée et Tip se sont aussi endormis. Il ne reste plus que nous d'éveiller. Sans compter le lit, bien sûr. C'est beaucoup mieux comme ça. Un petit repos leur fera du bien. C'est vrai, ils pourront être frais et dispo quand on arrivera chez Glinda. Ce qui veut dire en bon français... Réveille-le vite, papa, vite! Il aurait pu choisir un meilleur moment pour faire la sieste. Qu'est-ce qu'on va faire? Tip, il faut que tu le réveilles, vite! D'accord. Ça y est, je l'ai réveillé! Oui! Heureusement! Attention! On l'a échappé, Belle! Tu peux le dire. Il s'est rendormi, c'est curieux. Allez, te réveiller. Bon, essaye de rester réveillé à partir de maintenant. Bon, allons-y. J'ai dit allons-y. Oh, oh, quand même. Oh, est-ce qu'il s'est pas endormi? T'endors pas, c'est bien. Oh, les petits volets, reste dans les airs. Bien. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Qu'est-ce qui est louche? C'est parce qu'il s'endort? Oui, ça n'est pas possible. Les oiseaux ne s'endorment pas en plein vol. Lily ne devrait pas non plus. Tu as raison, ce n'est pas normal. Notre instinct nous tient éveillés quand on se retrouve dans des situations périlleuses. Oh, Mumby! Eh oui! C'est bien Mumby, Tip! Il va encore s'endormir. Vite, il faut absolument qu'on le réveille. Tout le monde ensemble. 1, 2, 3. Réveille-toi, Lily! Est-ce que quelqu'un sait où on est? Il fait trop nuit pour voir réellement où nous sommes, mais moi je ne reconnais rien de ce que je vois. Eh bien, au moins il est un peu plus réveillé. Peut-être que le sort de Mumby ne peut pas nous atteindre. Tout ce qu'on peut faire, c'est se croiser les doigts et continuer notre route. Mais je ne sais plus du tout si nous nous dirigeons toujours vers le sud. Ah bravo, on est perdu maintenant, et tout ça à cause de Mumby. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas nous ficher la paix? Eh, est-ce que tu sais où on est, toi, bûcheron? Non, pas plus que toi, Tip. Mais j'ai bien peur qu'on ait dérivé. On a dû faire un virage du mauvais côté pendant que le lit nous dormait au nez. Genoux de chauve-souris, ils sont hors de portée maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont trop loin. Mon sort ne peut plus les atteindre là-bas. Ça ne fait rien. Je vais refaire une autre potion, mais cette fois-ci de puissance industrielle. Vous ne pourrez pas conquérir Rose pendant leur absence? Non, nous ne sommes pas encore assez puissantes. Je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas le faire avant que j'ai attrapé ce garçon. Ah, tant pis pour le garçon. Moi, je propose qu'on mette cette affaire en route tout de suite. Oui. On ne peut rien conquérir du tout jusqu'à ce que je me débarrasse de Tip. Mais je ne peux pas leur dire à quel point ce petit est dangereux. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi préparer encore une potion magique. Je vais essayer de les faire revenir au palais. Oh! Vous savez, si vous pensez pouvoir conquérir Rose sans moi, allez-y donc. Mais je vous aurais averti, si vous le faites, c'est voué à l'échec. Alors fiez-vous à moi et ça réussira. Oh, vas-y, continue, c'est une dernière fois une formule magique. Mais si tu rates, cette fois-ci, c'est fini. Suivez-moi, mesdames. De ma machine, hein? Je vais préparer une potion tellement puissante cette fois-ci qu'elle arrachera la peinture du lit à 2000 km d'ici! Eh bien, on est perdu, ça, c'est absolument sûr! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dérive à l'aventure? Non, je pense qu'on devrait trouver un endroit pour atterrir. On pourrait y passer la nuit et on recommencerait frais et dispo demain matin. C'est la meilleure idée que j'ai entendue jusqu'ici. C'est vrai. Cherchons un bon endroit pour se poser. D'accord. Je ne peux rien voir avec tous ces nuages. Et vous ?
Sinon, il va falloir qu'on attende une éclaircie. Bon, ben, on va continuer à chercher un champ ou un endroit plat. Je dois avoir des hallucinations. Je viens de voir quelque chose de plat, mais qui se déplaçait. Non, moi aussi, je le vois épouvantail. Un énorme champ et qui vole juste au-dessous de nous. Allons, Jacques, les champs ne volent pas. On a des problèmes. Des problèmes ou ça? Est-ce que ce sont des ailes? C'est incroyable. Nous sommes kidnappés par un énorme, affreux et horrible monstre. Chut, Jacques, un monstre de cette taille-là, je ne voudrais surtout pas le croiser. Ça c'est bien, il nous a repoussés. Je ne le vois plus en dessous. Je pense qu'il est parti. Oh non, il est au-dessus. Oh, tenez-vous bien, on est dans son sillage. Lee, descends, dépêche-toi. Attention. Ils ont finalement réussi à échapper à Gingembre et à Mombi. Et les voilà maintenant dans les griffes du dragon.